salut les potes bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien les gens je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter une quête exotique qui vous permettra d'obtenir cet arc donc un arc exotique qui s'appelle le tueur de souhait avec des dégâts cinétiques il a une petite particularité cet arc vous voyez ici la perque ir de la reine en visant avec l'arc entièrement tendu les ennemis placés derrière les murs sont mis en surbrillance ça marche en pve comme en PvP également, on a fait un petit test, je vous le mets à l'écran, vous voyez, on voit les silhouettes des ennemis à travers les murs. La deuxième particularité, c'est que j'ai réussi à détruire les œufs corrompus qui sont dispersés un petit peu partout à la Cité des Rêves. Alors il y en a en patrouille, il y en a dans les défis ascendants, dans l'assaut à la corrompus, il y en a également dans le raid. En tout, il y en a 40 à détruire comme ça, c'est un triomphe. Donc voilà, il permet également de pouvoir détruire ces œufs. Et pour chaque œuf détruit, vous aurez un loot de la Cité des Rêves, donc ça marche avec les armes et les armures. Dans un premier temps, ce qu'il va falloir faire déjà c'est monter votre niveau de puissance, puisqu'il va falloir réaliser le donjon, le trône brisé, et ce donjon est en 590 de puissance. Voilà donc c'est très compliqué. J'ai fait un tuto complet, je vais pas revenir dans cette vidéo, j'ai fait un guide complet pour que vous puissiez réaliser euh, directement ce donjon, le trône brisé tout simplement la première étape c'est de réaliser ce donjon en entier voilà jusqu'à la fin jusqu'à battre Dil Inkaru à la fin donc voilà faites ce donjon tranquillement je vous conseille d'être trois je vous conseille quand même d'être assez haut en puissance également je vous l'ai dit c'est 590 recommandé en tout cas voilà une fois que vous avez terminé ce donjon vous allez avoir une mission secrète qui va se débloquer directement sur la côte enchevêtrée. Et vous allez devoir vous rendre dans la zone qui est tout à droite, donc au ravin aux quatre cornes. En gros, vous allez pouvoir vous téléporter au débarcadère des voleurs, prendre votre passereau. Vous arrivez au ravin aux quatre cornes, vous sortez votre spectre. Et là, vous allez voir qu'il y a un logo de mission. Vous allez sur la mission. Alors, la mission, c'est très bizarre puisque elle a des points d'interrogation. Il n'y a pas de nom et il n'y a pas de description. Il n'y a que des points d'interrogation. En tout cas, voilà, c'est comme ça. Alors cette mission, je pense qu'à 3, elle n'est pas très compliquée. Moi, je l'ai réalisée en solo. Même chose, c'est 590 de puissance recommandée. J'ai réussi à le faire en solo. Alors, c'est pas si difficile que ça, mais il faut faire attention. Du coup... Au début, il y a pas mal de corrompus, des zones à cleaner, etc., avec des, des, des espèces de portails corrompus qui vous bloquent. Il faut tout simplement cleaner toute la zone pour pouvoir faire disparaître ces portails corrompus. Et au bout d'un moment, vous allez arriver dans une grande arène, et là, il y a trois boss qui vont apparaître. Alors, je me souviens plus de leur nom, mais en gros, je sais qu'il y a un capitaine corrompu, vous allez avoir un ogre corrompu, si je dis pas de bêtises, et le troisième va être un minotaure géant corrompu, voilà, qui de temps en temps sera invisible. Vous devez tuer ces trois boss-là, et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir récupérer trois jetons. Le premier jeton s'appelle le jeton rêveur de Xavot. Le deuxième jeton, lui, s'appelle le jeton rêveur de Kerim. Et enfin, on a le jeton rêveur d'Erivix. Alors, ce sont trois boss différents, des boss corrompus, qu'il va falloir aller faire apparaître dans le donjon, le trône brisé. C'est-à-dire qu'il va falloir retourner faire le donjon encore une fois. Et surtout, il va falloir les faire apparaître grâce à des reliques. Du coup, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir maintenant attaquer la dernière étape de cette quête. Vous allez pouvoir relancer le donjon, le trône brisé. Dans ce donjon, il va y avoir donc trois boss à tuer. Il va y avoir un boss à faire apparaître dès la première étape. Vous savez, cette étape qui vous demande de retrouver les logos dans différentes zones et de cleaner cette zone pour pouvoir trouver le logo suivant, et eh bien dès cette zone-là, vous allez pouvoir faire apparaître un boss. Si vous regardez sur les hauteurs, vous allez voir qu'il y a des plateformes que vous pouvez atteindre, c'est des toits tout simplement que vous pouvez atteindre. Alors il y a un toit sur lequel il y a des statues qui portent des boules dans les mains, sauf que une de ces statues ne possède pas de boules. Il va falloir donc trouver une autre relique et cette autre relique se retrouve directement sur le toit en face donc, vous envoyez un joueur aller chercher cette relique. Soit donc vous voulez, comme sur le gameplay avec l'arca qui peut planer, soit vous pouvez également passer la relique. Donc, vous pouvez la lancer à votre coéquipier qui se situe sur le toit d'en face et vous allez tout simplement pouvoir déposer la relique dans les mains de la statue. Et à partir de ce moment là, vous allez faire spawn deux minotaurs supérieurs, donc deux minotaurs des boss, bien évidemment. Et une fois que vous aurez tué ce boss, vous auriez donc purifié le premier jeton. La deuxième relique à récupérer, elle, se situe à l'étape des poutres et des ogres. Alors tout simplement, je vous conseille dans un premier temps de monter sur les poutres et de tuer un petit peu tous les ogres qui se situent sur ces poutres-là. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer une relique. Donc la relique se situe derrière le premier pilier à droite quand vous entrez dans la zone des poutres. Et vous allez devoir déposer cette relique sur la statue qui est tout au fond à gauche. Donc vraiment quand vous êtes à la porte d'entrée de cette étape-là. Tout au fond à gauche, donc c'est une statue encore hein, qui ne possède pas de boule dans les mains. Et vous allez là encore une fois devoir déposer la boule dans les mains de cette statue. Par contre, ici, il ne se passera rien. Je pense tout simplement que ça ouvre la zone dans laquelle on va affronter le boss suivant. Vous allez voir par la suite. La troisième relique, elle est vraiment juste après l'étape des poutres et des ogres. Vous rentrez dans la zone dans laquelle vous êtes ralenti. Vous allez directement sur votre droite et vous allez voir encore une fois qu'il y a une relique qui est posée là. Cette relique, il va falloir l'emmener jusqu'à la fin de la zone des ralentissements. Donc vous suivez tout simplement le chemin. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin de cette zone, vous allez devoir sauter en contrebas. Pour sortir de la zone. Et vous allez voir qu'une fois arrivé en bas, il y a encore une fois différentes petites statues qui sont disposées. Et encore une fois, l'une d'elles ne possède pas de boule. Vous allez donc pouvoir presser la touche action pour pouvoir euh, déposer cette boule. Juste après, vous allez pouvoir continuer le chemin. Il va y avoir des plateformes, vous les sauter Et là, il y a une grande porte qui habituellement est fermée. Et bien cette fois-ci, elle est ouverte. Et vous allez pouvoir vous rendre au milieu de cette zone-là. Et ça va faire apparaître plusieurs ennemis corrompus. Dont un boss. Et cette fois-ci, c'est le chevalier corrompu qu'il va falloir tuer pour encore une fois pouvoir euh, tout simplement purifier un des jetons. Une fois que vous avez tué ce capitaine corrompu, vous allez pouvoir ressortir de la salle, donc reprendre le chemin. En gros, lorsque vous êtes entré dans la grande porte, c'est juste avant sur votre droite et les petites plateformes. Vous continuez le chemin par là et vous allez continuer votre chemin tout droit jusqu'à arriver à un ogre, un boss supérieur qui s'appelle Vorget. C'est le premier boss que l'on va croiser dans ce donjon du trône brisé. Et c'est notamment à cette étape-là également qu'on va pouvoir faire apparaître un nouveau boss avec une nouvelle relique et qu'on va pouvoir donc terminer la quête pour récupérer l'arc exotique. Comment ça se déroule Donc avant toute chose, je tiens à préciser que j'ai fait un tuto complet pour réaliser euh, le trône brisé, donc le donjon. Le lien est en description de cette vidéo si vous voulez aller checker. Voilà, parce que je donne beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de détails, etc. sur ce donjon au complet. Sinon, pour faire court, en gros, vous rentrez dans la salle il y a le boss qui est au milieu il y a des ennemis à droite, au fond, à gauche et devant vous. Il y a à chaque fois une prêtresse donc vous clignez tous les ennemis vous tuez les 4 prêtresses. Chacune des prêtresses vous donne une charge pétitionnaire, du pétitionnaire ou quelque chose comme ça. Il faut la multiplier par 4, c'est-à-dire qu'il faut prendre les 4 ligues donc tuer les 4 prêtresses sans mourir. Pour pouvoir avoir le fardeau du pétitionnaire, une fois que c'est fait, il y a quatre puits lumineux, donc qui sont disposés autour du boss. Vous allez claquer le fardeau sur. Un des puits et ça va faire baisser le bouclier du boss mais à ce moment là il faut pas dps le boss il faut chercher dans la salle et souvent il se situe bien au fond hein, vers la, la fin de l'étape vous allez par là et vous allez voir tout simplement qu'il y a un minotaure corrompu invisible il faut le tuer alors celui ci n'est pas supérieur hein, c'est un boss c'est un ennemi normal pardon il faut tout simplement le tuer c'est facile une fois que vous avez tué cet ennemi il va faire apparaître une relique cette relique, vous la prenez et vous retournez à l'entrée à gauche de la salle. Donc vraiment, quand vous arrivez dans la salle, à l'entrée à gauche, il y a encore une fois une statue sur laquelle, bien évidemment, comme d'habitude, il manque une boule dans les mains. Une fois que vous avez posé cette boule, vous allez avoir un second ogre corrompu qui va se à côté du boss. Et cet ogre, il faut le tuer pour pouvoir purifier le troisième et dernier jeton. Une fois que vous avez donc purifié ce dernier jeton, vous allez devoir terminer l'étape. Donc l'étape normalement. Tout simplement tuer les 4 prêtresses, claquer le fardeau et là vous pourrez donc DPS le boss. Le boss, si vous avez assez de puissance, vous pourrez le one shot. Si jamais vous voulez vraiment plus de précision, je vous invite à aller regarder. Euh, le tuto que j'ai fait qui est en description de cette vidéo. À la fin de cette étape, la porte du s'ouvre, vous allez parler à la statue et là, vous allez pouvoir presser la touche Action sur la statue parce que la statue depuis le début avait l'arc dans les mains, mais il fallait remplir chacune des étapes avant de pouvoir le récupérer. J'espère qu'en tout cas, vous pourrez vous amuser avec cet arc. Ça sert à rien de terminer le donjon par la suite puisque si vous l'avez déjà fait une fois, vous n'aurez pas une autre fois un loot supérieur, donc ça ne sert à rien. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et vous aidera à récupérer votre arc à vous aussi. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss!